Salam à tout le monde, bienvenue dans Real Talk, welcome to Real Talk, so happy to have you here with us. Encore une fois, Francis Carigène avec nous. Jeudi à nous, c'est dans l'épisode 2. I won't be saying number of episodes every time, but since these are the first ones and I'm excited, I keep saying the numbers, but this is episode 2. And we have something really special today. We have our first guest. We're going to talk about something that's interesting to everybody. Sujet, hein, c'est pas ce sujet qui intéresse tout le monde. Il y a des gens qui te checkent pour ça. Et je pense que they'll be happy today. The topic is personal finance, how to budget, all kinds of really good tips about having a healthy financial life. So that's for later in the show. On a commencé, comme toujours, par parler de ce qu'on a fait dans le monde. What is happening in the world. Ça qui passe dans le monde, une situation qui a développé assez rapidement dans toutes les médias récemment, c'est un cas côté que plusieurs touristes américains qui étaient dans un resort Saint-Domingue et mouri. Very strange stuff. Parmi lesquels, il y a un couple et monsieur et madame et il y a un lot d'âme tout. Donc, comme vous le savez, Americans don't play, so this became an issue. Surtout que après ça, il y a à peu près deux ou trois autres monde qui expliquaient l'expérience qui a été faite dans le même hôtel. Ça. Il s'agit du Grand Bahia Principe à La Romana, République Dominicaine, un hôtel qui est super fréquenté. Comme nous connaissons, République Dominicaine vive de tourisme en pile. They have about 30 million tourists that come through the country every year. So, it's a big deal for them, tourism. Et imaginez-nous que moun sa yo, yo allé dans hôtel ça, yal font vacances et moun yo pa tourné. Donc, en pile investigation a fait, autopsie moun yo pa vraiment révélé rien autre que yo mouri de respiratory failure, ça veut dire yo pa ka respirer et poumon yo te plein de l'eau, etc. La seule chose quasi dénominateur commun, c'est que ni couple là ni dame nan ki mouyen, tous deux te boue nan mini bar chanmyo. Et gen deux lot moun ki fait commentaire que yo te gen même type de problème yo, alors même type de symptôme yo, le yo te descend nan hôtel sa. Et parmi lesquels gen yen ki te fait même mon assignation, a lawsuit against that hotel. And it doesn't look good for them. Donc la police dominicaine en train de faire une investigation, mais of course, the United States is very, very concerned about this. Il y a beaucoup de touristes qui sont en train de changer d'idée. So this is really bad for them. And you know what kind of disaster that could mean for a sector like tourism. So on a suivi le dossier. Chaque jour, on a une nouvelle mise à jour. Donc jusqu'à maintenant, autopsie n'a pas révélé rien, like foul play. But people are suspicious, and especially since it happened to more than one person. So, something you guys can keep up with online. Another story which is a little bit more sad actually, peut-être que nous t'avons suivi ça, il y a three teenage boys, trois haïtiens et trois jeunes Simon qui ont 13, 14, 15 ans qui jouaient football for the Little Haiti Football Club in Miami and yo font accident machine très grave and all three of them died on the spot. C'est une nouvelle assez grave comme ça et assez triste comme ça qui était sous tout réseau yo et semaine passée hein. Et en réalité c'est on machine qui perd du contrôle qui rentre sous monsieur yo and they didn't make it. So let's keep their families in our prayers. There's GoFundMe accounts that have started to help them with their funeral expenses. C'est pas parce que mon a vive l'autre bord, que ça veut dire que la mené, pas mettre ça dans tête nous, si monsieur vient de familles très proches, donc let's wish them the best. So that's it for what's going on in the world. We're making sure you guys hear about little stories that maybe you don't pay attention to. So that's it for today. Let's talk about something else now. What's hot on social media? What's been all over the internet? What's the tea? What's hot on the internet? Okay, what's hot on social media? What's hot on the internet? What's hot in the world of tech? Parce que tout le monde connaît, il y a une bagarre qui vraiment prend réseau. C'est une série qui sorti sur Netflix qui est When They See Us. It's really, really big these days. It's all over the place. Par contre, si nous regardons, mais c'est une série qui fait parler de lui en pile. I'm just going to give you a recap.
it's, I mean, there's no spoilers because it's a real story. And basically, again, un peu de monde qui peut-être est au courant de lui déjà. And it's basically about the Central Park Five. The Central Park Five, c'est cinq petits monsieur, cinq petits monde, dans le sens, ou à plus grand, t'as 16 ans, et qui t'es joué à l'arrestation, injustement, et accusé d'un crime qu'il n'a pas fait. Et c'est rien, il est divisé en quatre parties, donc c'est quatre épisodes ou quatre dix, mais chaque presque temps qu'on filme, bien, dernier, on peut durer jusqu'à une heure de temps, 30 minutes. Mais extrêmement, difficile à regarder. Et pour un parent, c'est difficile à regarder. Pour n'importe qui, c'est difficile pour garder parce que grand pile réaction quoi qu'a traversé. Et énervé, you're going to be angry, upset, sad, confused about a lot of the things that happened. People have a million opinions about it. Donc c'est une bagaille qui génère un pile tweet, un pile Facebook post, un pile réaction online. Et d'ailleurs, on est-ce que nous garder? Si oui, partagez avec nous, commentez nous, faites qu'on est comment nous t'es well, est-ce que nous t'es aimé, est-ce que c'était difficile pour nous garder tout, qui opinion nous, qui sensation quoi, qui sentiment que l'été généré là quand nous. There's a lot of injustice in the series. Et ben c'est que un monde qui peut-être pas habité aux États-Unis, you get to really see how Black people are treated in the United States. And I think the saddest part is that 30 years later, we're in 2019. Ça que t'es fait, l'été fait en 1989. M'était un petit l'âge tout petit. Manqué by bon l'âge, mais là. That was 30 years ago. And 30 years later, alors maintenant, 2019, nous réaliser que ça t'a fait tout. Même bas, là, t'es doit arriver. Même injustice, toujours exister, surtout envers les Noirs. So I think you should definitely watch it. Should you watch it with your kids? Et parce que c'est une question un peu de monde posée, sont leur ben encore cap fait parler de lui sur les réseaux. I don't know if you should watch it with your kids unless they're maybe when they're 14 and up, parce que moi 14 ans c'est l'âge pipiti ça a été arrêté. Hein? And I think starting 14 years old, you can watch this with your kids. And grand pile ba yo ka montre yo, grand pile ba yo ka réaliser gens l'important pour qu'on doit yo et particulièrement gens l'important pour yo comprendre que l'œil en face ou autorité, yo pas supposé collaborer sans présence parent. So all of this has been just a really big topic of conversation. The movie, alors the series is directed by Ava DuVernay, c'est elle qui a réalisé le film Selma. C'est elle aussi qui a réalisé le document 13th qui est aussi sur Netflix et ce documentaire là je veux dire le documentaire 13th, ce documentaire là parle aussi de cette même situation-là, les injustices qui sont faites à la population noire ou encore latino. And it's essentially how mass incarceration in the United States has become very common. And it's just a continuation of slavery, in a way. So it's really interesting. C'est une conversation extraordinaire que bagay ça a généré. Et gagné yon moun qui na série, alors qui fait partie de l'histoire réelle, hein? Qui était un homme qui était vraiment poussé pour arrestation de monsieur, qui était vraiment traité sujet à vaille que vaille. Elle était tellement focus pour faire arrêter les enfants que maintenant elle est comme public enemy number one. And comme nous connaissons, en 1989, pas de internet. En 2019, l'internet a apporté de tout le monde. Donc, il vient causer un gros mouvement. Et activistes, militants, tout le monde et mettez sur les réseaux et yo vraiment a poussé pour dame ça qui est toujours en vie et qui vient un auteur et un novelist very successful. Elle a beaucoup de succès, elle a écrit beaucoup de livres et actuellement là elle est en train de perdre beaucoup de choses. Elle a aujourd'hui même, je crois, elle vient de perdre son entente avec la compagnie qui fait la publication de ses livres. They dropped her. Elle est dans des comités de certaines écoles prestigieuses universités aux États-Unis. They dropped her. She's being dropped from a lot of really important positions because en pile pétition faite contre lui, mon Dieu senti que faut qu'il t'a payé pour injustice que elle t'a fait cinq timons ça. Donc encore une fois, gardez-le. It's When They See Us and it's on Netflix. Check it out. Comment, let us know how you felt about it. We want to know what you think can be done in situations like that, qui soit pensé ça ka edo apprendre et qui soit pensé ou ka partager comme information avec petit pau ou encore moun ki autour de ou ki proche ou
quitte à peut-être une situation pareille if you live in the US or wherever you live, actually. All right, so I think that was all that was hot this week. Now let's go into our topic of the week. OK, tout le monde, moi gen avèm la invité moi, my very, very first guest on this show. And of course, it had to be somebody with whom I've worked for a long time. This is someone I've known for almost 15 years, on m'a dit. Et moi gen avec moi jodi an, un monde qui passe l'introduction, because she's Miss Boss Lady. And I have with me today, Christine Jacques, qui avec moi jodi an pou li partager expertise li avec nous. A lot of people ask me about this, to talk about budgets, personal finance, why that stuff is important, and how you can do it better. Spesyalman nou peyi tan kwa Ayiti, dola monte l desann, gen an pil ti problèm chak jou du point de vue ekonomik, moun yo pa telman konn koman pou yo jere tèt yo. Donk, jodi a, mwen menen yon moun ki se yon expert, yon expert la matyèr, e ki toujou ba nou konsey sa yo. Back when we used to work together, she always advised all of her employees about budgeting, how to save, how to spend, which is also a big part of budgeting. Donk, Christine, welcome. So happy that you're my first guest. Thank you, Francesca. I'm very honored to be your first guest on Real Talk. Congratulations on this amazing initiative. I look forward to a very productive talk about money. Yes, on parle cob, on parle l'argent, on parle comment pour yo gérer l'argent yo. First question I guess I would have, basically question tout pour gagner is what's a budget really and why is it important to have a budget? There are different types of budgets if we want to talk. So today let's talk about personal budgets or household budgets if you want. It's a plan. It's a forecast. It's something, a budget is not necessarily your real numbers. It's what you plan and what you want to achieve. Right. And then you have to put your real numbers to see how close you stay from your original plan. Or if you blow it up, exactement. Which a lot of people do. Si ou konnen ou fè tan kòb pa mwa, ou gen a fè un budget son anè, kote ke ou konnen ki sa obligasyon ye, ki bagay ou oblije peye kankou loye ou, kankou kanpe men tou, epi wap konnen ki sa kreto. Donc, li permet ou planifiye et certaines activités, et li permet ou tou konnen financièrement ki kote ou posisyon ou a tout moment. Et par rapport à plan, et surtout avec que revenu toi petit est capable permettre ou et joindre des façons pour augmenter et revenu pour que et ou ka gon budget qui est intéressant qui bon possibilité pour faire plus bagaille. Well, that makes a lot of sense. Another thing I was thinking about is budgeting, should you be as concerned about how much you spend versus how much you make? Parce que est-ce que partie dépenses là tout aussi important? Non sens. Et absolument, li peut être plus important. Okay. You should be more concerned about how much you spend than even how much you make. Okay. Because if you're spending more than what you make, you're in trouble. You broke. Okay. So it needs to stay in the positive. Right. You don't want to be in a situation where you're spending what you don't make. Right. Et moi, c'est que ça très important parce que je pense que les vins rejoignent, on va avec un pile monnaie, c'est très bien utilisé à tort et à travers, qui c'est code de crédit, par exemple. Do you think people realize that you're spending money that's not yours? You're technically borrowing money. You're borrowing money at very high interest rates. Exactement. Donc, yes. Ça veut dire, si vous ne pas gérer le bien, problème. Problème. Donc, en fait, il y a des techniques que nous avons partagées avec Mounio. Moun kap tande, kap gade nou la jodi an, pou ke yo apren jere un budget. Donc, jem te dit alè, gen diferent tip de budget. Nou pa pral pale de budget d'entreprise, de budget d'investissement, de diferent. Nan vremen jodi an pale de budget personnel ou bien budget, et sa yo le household budget, ki se budget kaila ou bien budget foyer. Yeah. Ok? Kote ke, et non foyer normal, et mwen partage yon teknik ke mrele la reg de 30-30-30. I've heard about this many times, guys. Many yes. times. The 30-30-30 rule. Drop so it. So it's actually the 30-30-30-10 rule. Right. Which equals 100. Yes. So lo a planifié un budget, li recommandé pour que 30% du budget li paye bagay ki obligatoire. Bagay ki se de nécessité.
Donc, like your rent. Like your rent et loyer caille, EDH, caille, ou gen 30%, voilà, ou gen 30% qui pour des bagailles que ou ka vle, things you want. Right. OK? Et mais qui pas obligatoire, ou pas mourir sous pas gagner. Right. Vous comprenez? Donc dans 30% ça ou a gen social life, ou a gen et ou gen doit penser que obligatoire pour payer l'école petit tout. Donc ou rentrer différents bagailles, mais ou gon 30% de bagailles qui c'est des obligations, ou gon 30% de bagailles qui c'est sauvelé et pour gen 30% qu'on pas doué manyen. Très bien. 30% ça li doué aller dans savings. La chita la banque. Ou doué mettre la banque. Ou bien on mamit si c'est qu'on s'en fait affaire pour. Quel que soit côté abstérile là, ça veut dire si on moun fait $1,000 ou gen $300 pour bagailles obligatoire ou gen $300 pour bagailles qu'on vle et ou gen $300 qu'on doué serrer. Rete $10. Non, rete $10. 10%. Yeah. Donc c'est 30 30 30 10. Right. Donc 10% qui rete a donc et $100 ou metel côté qu'on besoin suppléer. L'idéal c'est qu'on ta ka ajouter la savings. Mais il y a très peu de personnes sous terre qui capable serrer 40% de revenu. Donc 10% ça ou capable ajouter non soit ça qu'on voulait ou bien soit qui ça qui obligatoire. Donc 10% c'est une sorte de backup, son backup. Si toutefois donc, si on moi pas dépenser ou ajouter dans savings. Si on moi ou dépenser un petit peu plus dans son vle yo, dans son envie, c'est backup ça qui c'est backup là qui est doux. Mais il recommandé pour healthy minimum to save is 30%. So c'est ça qui on règle très connu qui 30 30 30 10 là et qui fait que en pile monde joine on vie financière bien balancée qui permettent que yo dit que y a vivre à l'intérieur de leur budget et non au-dessus de leurs moyens. Ouais. Je noue dans en pile cas si on ne pas arriver économiser 30% de revenu ou à vivre en dessus de moyens. Donc ça veut dire que sous chaque mois ou dépenser plus que ça ou doué pour garantir vieux jours et pour garantir tout ça que vous devez faire avec un fonds de savings, un savings account. OK. Now, I have a question about ou fait que ça tombe bien important là, garantir vieux jours. That's a great point. Beaucoup de vieux jours. Non, pas qu'il y en a non vieux jours là, OK? Listen. We're both in our 20s. Yes, absolutely. Non, ça me l'a dit, c'est que grand pile monde peut-être qui pas comprendre genre de produit ça yo, ou peut-être qui pas investi là-dedans, mais est-ce que vous recommandez tout le monde à partir d'un certain âge peut-être pour yo investir dans une sorte de épargne pour retraite même si vous va entrer peut-être dans plein de il y a différents types de épargne retraite. OK, donc ça veut dire que il peut avoir un compte en banque classique épargne retraite et moi j'ai travaillé dans une institution qui t'a fait un plan pour employés qui sont un plan d'épargne retraite. Employé a contribué un certain pourcentage, compagnie a contribué un certain pourcentage. Mon père doit retirer la banque avant qu'on ait 65 ans, qui est l'âge de la retraite. Et sous retirer l'avant, il est sujet à plus de taxes que ça a déduit de lui, le mettre en place. Il y a des gens qui font des autres types d'investissements, comme des investissements immobiliers, et c'est ça qui est pour une retraite. Yo. Parce que c'est un gamble, if you want. They gamble that by the time they're retired, their real estate will be able to pay for their lifestyle and for their day-to-day expenses, okay, and maybe more. Ça c'est mon qui bat comme si peut-être gagne quand un loyer, qui gagne deux trois appartements en loyer, qui gagne autre chose. Yeah, la brive on leur that rent is just taking care of them. Mais quand moment de est-ce que bon leur qu'on supposé pour me répondre question spécifiquement, il n'est jamais trop tôt pour commencer à faire des économies. Ça veut dire que et malheureusement nous pas apprendre et jeunes yo ou bien même petit monde yo comment pour faire économie ni pour faire et sous pas grand petit monde qui pas grand tirelire dans ville. Exactement. Mais c'est pas tout petit monde qui était géré en tirelire et en piggy bank. Oui. Même gens avec petit piggy bank c'est une inversion de I broke mine. Yeah. At when I turned 16, il était gagné $200 américains là-dedans. Voilà. Donc, I spent all my childhood saving. Exactly. So, yeah.
Et grand pile monde qui baillon ti mon piggy bank et puis à fin semaine ti mon casé piggy bank là l'achète ton surette. Donc yo pas apprendre ni ou même la caillou yo peut-être apprendre nous que ça son savings faut qu'un bel pendant des années. Moi même l'aime casser piggy bank moi pas quitter me dépenser comme là. Yo fait mal ouvrir mon compte en banque mais maman me fait toute carrière li la banque. Donc peut-être une éducation financière. Monsieur pour premier geste là c'est ça. That's great actually. Mais c'est que ça dit important parce que quand tu éducation pour fait, you know you really got to educate your kids about very early on. Very early about what it means, about how money works. You earn it, then you have, if you want something you have to save to buy it. So or you have to save in general. Moi même première expérience ouvert compte en banque, I got to give a shout out to my sister on this because she's an accountant and she is fierce with money. Sister. Yes. And you know this. Yes, I do. And she was the first person to tell me, listen, you came here with some cash, let's put it in a bank account. Yeah. Et c'est premier compte en banque que juste journée jodi a m'a utilisé, c'est SEM qui t'ai couri à la veine pour m'ouvrir une qui t'ai essayé expliquer que c'est toujours important pour gagne quoi bousser en côté. And yeah, it makes sense. Mais c'est son éducation et faut tout le monde autour de vous que c'est si monde que c'est jeune et c'est bio training ça which exactement. I think you know. Et, relationnel que faut gagner avec l'argent et que faut apprendre petit tout gagner avec l'argent pour que on connait qui ça l'argent qu'a fait qui ça l'argent pas doit faire et qui gens pour gérer l'argent pour que c'est pas l'argent qui gère. Donc c'est très heavy, très important la point. Relation avec l'argent. Oui. That's a really heavy point. Yes. Que l'argent pas gère parce que et parce que nous on s'en pile dehors, c'est une it's funny how it's vice versa or it's actually very connected. Yes. Parce que l'homme qui a le monde qui pas connu gestion quoi, donc l'homme qui a quoi blanc, il est tellement dépensé que en retour quoi blanc vient tourner, on poisonne en vie. C'est so, ça. Yeah, I understand what et you mean. Et pour parler de l'argent mais de bill, monde n'est stressé. Oui, parce que il est tellement mal géré l'argent que de pour dire l'argent sont mauvais nouvelles. De pour parler de bill, son problème. Semaine ça on parler de bill. Alors que sous bon gestion et saine. Yeah. Et ou bon bonne gestion. Et grand pile moun ki ka jere une entreprise parce que yo fait comptabilité entreprise yo et puis finance personnelle yo pas arrivé balancer parce que yo bon chèque y a fait chèque yo pas konn combien yo gen la banque. Je dis avec online banking tout moun ka gade son gen la banque. For et sure. Ou ka jere dépenses sou konn nou gen tan nan compte banque ou gen un compte pa ka aller go bagay ou pa ka acheter mais gen des moun ki rentre en côté yo wel yo pa ka résister. Pa ka TGIF trop fort. Et puis il a gardé après comment il a dégagé yo right. Tu vois donc et il faut vraiment gérer le budget personnel et budget et son argent personnel comment gérer une compagnie yeah. Il faut faire une comptabilité savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Très bien. Okay, now something I wanted to ask you you know ça c'est basé sur un conseil côté ben moi something you told me a long time ago mm-hmm. And like I said you guys I'm sharing all of the good tips that she's shared with me. Basically, we're giving you guys $1 million game for $9.99, basically free. Okay, yeah, this is very valuable advice. Okay, take notes. But ou fait qu'à parler de ça là. Alors, t'es voulu particulièrement orienter vers les jeunes couples, younger people that are in their late 20s. You know, basically early 30s, because you know, structure familiale en Haïti en chicas différent de peut-être l'autre pays. But what advice can you give them when two people come together? What advice can you give them to manage money so that they can, comme si vous gérer budget, gérer quoi pour capable réaliser une série d'objectifs ensemble, like buying a house, you know, just making steps really. Moi c'est que d'abord nous qu'a commencé par dire que grand pile couple qui séparé et qui pas été ensemble qui peut-être problème l'argent. OK? Donc Again, Madame Jacques is being very deep today. Okay, some of you break up because of money. For sure, it's true. And they say we don't get along, we don't this, but it's because they have different priorities. Right. Quand les gens vivent en couple, il faut avoir des objectifs communs. C'est faire route ensemble, c'est marcher main dans la main, c'est faire une vie ensemble et construire un avenir ensemble. Donc, si on n'arrive pas déjà à mettre ensemble les finances. Et je connais beaucoup de couples qui ne font pas comme ça. Donc, il y a peut-être différentes façons et où les gens vivent différemment. Mais je pense que quand il y a des conversations honnêtes autour de l'argent et quand tout le monde sait à quoi s'attendre, si on fait abattre un garçon pression pour le payer, on va dire que il n'est pas capable. Mais si on ne peut pas faire un couple à faire. Donc, il faut qu'il y ait des conversations honnêtes et il faut qu'on exercice même de chita ensemble pour faire un budget sur Excel.
son feuille cahier ba konnen pour dire ensemble nous fait tant loyer a coûté tant EDH a coûté tant maquette la coûté tant l'école ti moun nan coûté tant mais ça crété si nous voulez faire un voyage par an ou deux voyages par an mais ça nous casserait si nous voulons acheter un cahier. C'est pas tout le monde qui peut être gain objectif acheter un cahier, c'est pas tout le monde, mais pour fond vie ensemble faut que nous mettez revenu au nombre kit ensemble pour que nous ca faire des planifier des objectifs communs que nous gagnons et chaque monde ca gagne tient fait par eux. Oui, ça veut pas dire que tout doit aller dans le même pot et chaque monde ca gagne tient indépendance pour acheter un cadeau pour tête pour acheter un cadeau pour et l'autre monde avec mari ou même madame et faut qu'on capable gagne tient indépendance pour acheter un bail pour tête ou sous passer nos maquettes que tout bail pas dans pot familial là si mais gagne des planifications qui pour faire ensemble et gagne accord qui pour prendre pour que nous ca dépenser temps et que nous ca planifier sur un projet commun que quoi chonkay c'est des bagay qu'on planifie plusieurs années en avance mais c'est l'objectif qui doit être discuté tôt dans le couple pour que chaque mois et on est mari par aimer le utiliser comme exemple mais nous-mêmes nous avons un compte en banque ensemble depuis là nous t'ai remé très bien et nous prenons des codes de crédit ensemble que nous gérons ensemble donc c'était quand qu'on apprentissage avant que nous al vivre dans même caï nous t'ai des bagay que et nous t'ai partagé déjà donc nous t'ai connaît il est là nous pas sortir ou ben nous pas fond bagay parce que nous pas capable oui. Mais priorité nous c'était savings parce que nous t'ai dit que le nous marié nous pas flairer de caï par nous nous voulait soit louer un appartement ou bien acheter un caï ensemble donc et nous commençons à faire ça très bonheur dans relation nous même avant que nous t'ai marié. And you think that's, well, ça c'est un petit peu outside of, you know, finance, but do you think that doing something like that together, le fait que deux mounes, depuis bien bon dans nos relations, ont commencé à faire un projet à deux, est-ce que vous pensez que c'est une son façon peut-être pour, it brings more closeness, comme s'il permet de nous venir plus proche l'un de l'autre? Définitivement fait, on va que nous partager en plus. Ils sont problèmes en moins. est-ce qu'on problème en plus tout parce que l'elle joue pas shopping, pas ceci, pas cela, mais est-ce que pas obligé non pas shopping, mais si nous si chaque monde décidait que ensemble, y a mettez $100 par mois dans compte commun. Right. Ben vous êtes qu'on soit fait un reste quoi pour là ou bien nous pas besoin d'entrer, mais $100 par mois, faut si pas qu'on explication parce que qu'on imprévu ou bien qu'on problème, faut chaque monde respecter ça et te dire t'as pas le faire. Et right. Ou pas capable demander si on a touché $200 pour mettre $100 faut on doit avoir deux monde qui ont des revenus différents donc faut chaque monde mette contribution par eux et puis pour vivre et ensemble pour un objectif c'est pour ça que c'est une conversation honnête qui doit se faire tôt très dans une avance. Relation et surtout si on veut planifier plusieurs années ensemble et qu'on veut planifier des grands projets comme acheter une maison ou construire quelque chose ou construire or even invest in a business together. Invest in a business together. Absolutely. That's also a good point. Thank you so much. Mais c'est que gen pile bon petit truc qui bail là. I think you guys just got a lot of really good tips. I want to talk a little bit about boss lady. When I was saying boss lady, she is a boss and she is a lady. She used to be my boss. And we want to talk about Boss Lady parce que Christine is one of the founders of this great platform for women and business and all types of other interesting things that, you know, are very important to women, women in tech, women in entrepreneurs. So the platform is called Boss Lady. And I'm going to talk a little bit about Boss Lady. And we have a lot of training that we've done, a lot of reunions that we've done. We've done three formations already in Boss Lady. Et en fait, Boss Lady, son bail que je fais avec un autre Boss Lady, qui est Glyn Jérôme, que tout le monde connaît. Et c'est un projet que nous faisons pour nous mettre les filles ensemble, pour que les filles apprennent de filles. Même si j'en ai partagé là aujourd'hui, et dans Real Talk sur le plateau là, et on fait qu'à apprendre de l'autre fille. Okay? Donc, nous voulons un petit moment que peut-être nous séparer nous de garçons, bien que là nous faisons formation, nous toujours souhaitons la bienvenue et qu'il y a des gens qui. Ou fait certaines des formations mais c'est à travers formation que nous bail déjà yo et ça nous gagne dans pipeline non bail des petites techniques en fille que peut-être yo pas pensé à lire ou ben que yo t'es qu'à lire non livre si yo t'es plus proactif ou ben que yo t'es qu'à apprendre. We're not teaching rocket science right but we're sharing tips that have helped other women be successful in their professional lives primarily
but also live very well balanced life. Right. So les trois premiers qu'on a fait, on a parlé beaucoup de choses financières et de choses, mais le dernier, on a parlé de la marque personnelle, comment gérer son image personnelle en ligne. Et on a eu un intervenant, et Nathalie Marshall, qui a parlé, qui a fait une formation sur comment gérer son profil LinkedIn professionnel. Which is a very good professional tool, to LinkedIn. On, so just your presence online, your branding. And we have some more stuff coming up with different speakers about well-being, self-confidence, and other tips and tricks. It's not always going to be us at the microphone. We want a platform where women can inspire women and where women can learn from one another. So you're that's not. Boss Lady. Yes. I think that's great. One of the reasons why we're doing this, we talked about it in the beginning. One of the reasons why I did Real Talk was because I wanted people to share their experiences, share their stories. Having someone like you here sharing your own experience and giving people tips on how to be better financially, live more financially healthy lives, and you know, so on and so forth. We talk about a lot of different things here. Obviously, mental health is a big one, career is a big one, and the idea is to bring women or other professionals, not necessarily women. I mean, obviously we'll have male guests as well, but just to bring women and different people who've had different experiences when échanger and learn from each other. So I think Boss Lady is a great initiative. We got to go to Boss Lady ourselves. And maybe we'll go and just do a little real talk at Boss Lady. Boss Lady, yeah, that would be awesome. So follow them, guys. Follow them. Subscribe to their channels. They have a podcast. They have a YouTube channel where they post everything that they've done at the trainings. So pas arrivé dans training là, ou capable suivre YouTube, ou capable suivre podcast là. We'll link everything in our description box so that you guys can go and subscribe and follow. Thank you so much for being here, Christine. Thank you. It was a real pleasure for us to be on Real Talk. Super happy. My first guest. And very, very happy to be your first guest and to share some valuable tips. Thank you. Songez tout le monde. C'est où que j'ai eu l'argent, pas quitter l'argent géré. Très important. Okay? Manage money. Don't let money manage you. Absolutely. This is very important and it means a lot of different things. So start with your budget. Start with living a healthy financial life. We had some great tips today. Thank you, ma'am. Yes, and having very healthy conversations with yourself and your partner. Yes. Thank you, Real Talk. Thanks for coming. Thank you for watching, everybody. Merci un pile. Est-ce que nous regardez podcast? Est-ce que nous tendez podcast? Est-ce que nous follow, like, subscribe? Thank you so much for your support. We really appreciate it. Everybody who is watching for the first time, welcome to the Real Talk family. Thank you so much. And remember to subscribe, subscribe. It's here. Subscribe, subscribe, subscribe. And of course, click the bell pour nous capable jouer une notification, pour nous jouer une notification le nous laguer une nouveau vidéo. Thank you so much for watching. This was Real Talk.